Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 du Let's Play de Nickelodeon Kart Racer numéro 2, le mode Grand Prix. Et on est là, comme je vous l'ai dit, pour l'épisode numéro 2. Cette fois-ci, on joue Air Arnold. Je me souviens plus du tout de la coupe alors que je l'ai retenue il y a 10 secondes, mais c'est la coupe numéro 2. Pour ceux qui ne savent pas comment ça va se passer pour ce petit Let's Play, c'est-à-dire tous les jours, normalement, ou tous les deux jours, vous avez un épisode avec une nouvelle coupe, un nouveau personnage qu'on va jouer, et avec aussi un nouveau kart, etc. Parce que là, vous pouvez voir que, par exemple, ceux qui s'occupent de la technique, ils sont différents. D'ailleurs, on a celui qui fait un mème sur Internet, là. Ce qui est triangle, ce qui est tout bleu. Je le vois souvent dans des mèmes, genre, il sort de chez lui, après il re-rentre, quand il voit un truc qui est genre, en mode, oh, allez, je rentre à la maison. Je sais plus ce que c'est, mais voilà. Et son pouvoir, lui, c'est qu'il octroie une nouvelle caisse. C'est-à-dire que dès que je l'utilise, j'ai un nouvel objet. Si j'ai bien compris. Si j'ai mal compris, tant pis. Voilà. On a pris Air Arnold parce que la coupe a ressemblé à Air Arnold. Il avait la même coupe de cheveux. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Non, non. Ah, ça fait mal, ça. Oh là là. Allez, allez, allez. Voilà, tout va bien. Tout va bien pour l'instant. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu qui est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Et Nintendo Switch, pardon, excusez-moi. Pardon, je ne vois plus rien. Merci. Yahoo! Voilà. Ah, mais oh. Nous sommes en mode de difficulté normale et en vitesse de jeu normale. Parce que, oui, dans le jeu, vous pouvez par exemple monter la vitesse ou la réduire suivant avec qui vous jouez. Si vous jouez avec un enfant, par exemple, vous pouvez. Oh, bien joué. Vous pouvez réduire la vitesse. Et si vous jouez avec une personne qui est vraiment expérimentée et vous dites, ah bah franchement, cette personne-là, elle est vraiment douée, bah vous pouvez, voilà. Vous pouvez modifier à votre guise. Non mais, arrêtez. Stop. Il y en a marre, là. Alors ça, comment ça se passe? C'est quoi? D'accord. J'ai pas tout compris. Mais on va faire avec. On récupère le slime. C'est clair que je préfère le slime, le pouvoir qui nous donne du boost. Parce que là, je trouve que c'est moins efficace. Mais on va faire avec. On passe par à droite. Oula, d'accord. Très bien. J'aurais jamais dû passer par la droite. Lancer, fait avoir comme pas possible. Non mais stop! Arrêtez! S'il vous plaît. On n'est pas loin de l'arrivée en plus. Faut pas qu'on se loupe. Ça serait dommage. Nous on est là. On participe pour être premier. On veut pas être dernier. Ni deuxième. C'est pas possible. Voilà. On a eu beaucoup de chance. Hein. C'est la course la plus difficile qu'on ait eue depuis les deux premiers épisodes qu'on a eu. Mais voilà, Arnold, numéro 1. On est dans le monde des tyrannosaures. Russ Rex. À le départ, je l'ai réussi une fois le super départ, mais c'est pas si évident que ça. Après, ça va, comme je dis, ça ne pénalise pas beaucoup. On va passer par là. Oh, oh non, on s'est loupé. Vite, à l'abordage. Oh là, les petits dinosaures, là. On va se calmer 2 minutes. Oh, lui. C'est bon, il a lâché une caisse. Ah, non, en fait, attends. J'ai l'impression que soit ça a lâché des caisses, j'entends des bruits de moustiques aussi. Ça me plaît pas du tout. Moi, j'avoue, je suis tellement traumatisé quand il fait chaud en été, etc. De me faire attaquer par les moustiques. Là, dès que j'entends ça dans un jeu. Oh, je l'ai eu. Oh, c'est magnifique. Ce qu'on vient de faire. Ah, mais. J'aimerais bien les dépasser, eux deux, pour pouvoir tirer sur le premier. Parce que là, si je tire sur lui, ça. Pas vraiment d'intérêt. Hop là. Ouais, c'était pas fait du tout exprès. Hein. Je vous le dis. Voilà. C'est qui? Attends. Le premier, c'est qu'il n'arrive pas à bien voir. Je pense que c'est un mec de l'univers de Air Arnold. Hein. On l'a pas encore, on l'a pas débloqué. D'ailleurs, à la fin du premier Grand Prix qu'on a fait, l'épisode numéro 1, on a débloqué Micha Michien. On l'utilisera peut-être à un moment, on verra. Voilà. Là, ça balance les 3 boules. Ah d'accord, les 3 boules, c'est pas 3 boules en même temps, c'est une après l'autre. Très bien. Oh mais non. Juste, excusez-moi, je voulais lancer la boule en arrière. Hop là. Un petit lutin. Ce tour-là, il était un peu plus simple à gérer. Voilà. Après, il faut pas hésiter aussi à récupérer les jetons que vous voyez. Les jetons, ça sert beaucoup, ça, à la fin. C'est pour acheter des items, ou des power-up, etc. Au niveau du garage, des bonus et tout. Voilà, c'est parfait, ça. Allez.
J'ai l'impression d'avoir que des balles. Quand t'es premier, c'est un petit peu comme Mario Kart, vous voyez. Quand vous êtes premier, bah vous récupérez que des bananes ou des carapaces vertes. Bon, ça peut être utile, hein, mais... Là, j'avoue, ça ne l'est pas vraiment. Oui, donne-moi l'objet. Non, 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 on n'a pas du temps. Non, c'est bon. J'ai paniqué, mais pour pas grand-chose. Oh, un circuit. Voilà. Eh oui, un petit départ turbo, ça fait toujours plaisir. On est dans la neige, enfin... Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans la neige, vraiment, vu que la route, elle est un petit peu déblayée. Oh là. Faut faire attention, messieurs, là. Ces petits animaux. Oh, j'ai failli l'avoir, lui. C'est pas évident de les toucher avec ces pouvoirs-là, je trouve. Alors, on va se prendre un bouclier. Toi, tu vas vite te calmer. Nickel. Là, on est très très bien. Alors, toi... Voilà, c'était fait exprès, bien sûr. Hein. Vous me connaissez. Tout ce que je fais, c'est toujours... Avec du... Mais c'est quoi? C'est des moutons, c'est des bisons. C'est des yokes. Je crois qu'on est comme ça. J'ai plus. Et j'avoue, moi, Arnold, je connais vite fait de nom et tout. Mais je suis... J'ai du mal à tourner. Je suis vraiment pas vraiment un grand fan de ce dessin animé. Je suis désolé si vous voulez être. On peut pas être d'accord sur tout. Voilà, merci. Ce qu'il m'a donné, c'est pas trop mal. Ah, je pensais qu'ils étaient juste derrière moi, les petits loups, là. Ah, mais toi... Alors ça, c'est quoi? Ah... Ok... J'ai lâché une petite caisse, les gars. Excusez-moi. Je sais que c'est pas bien de faire ça en public, je l'ai fait. Est-ce que je m'en veux un petit peu? Oui, je l'avoue. Voilà. Non mais... Faut arrêter là. Il y en a qui envoient des choses. C'est pas très très bien de faire ça. D'accord? Ah bah ça, je le garde parce qu'il va me dépasser là. Et dès qu'il va me dépasser, on passe au milieu! Voilà! Et il essaie de me bombarder depuis tout à l'heure. J'entends les petits bruits. Là, quand ça glisse, faites gaffe. Hein. Allez! Parfait, ça. On balance derrière. On utilise après le pouvoir qu'on peut pas l'utiliser quand on est dans les airs. Ouais. Ah, le lutin, il est pas à ce niveau-là. Il peut aider, mais il aide pas quand tu reçois quelque chose dans les airs, forcément. Allez, donne-moi des jetons. On apprécie. Allez, comme ça, on a un power-up en plus. Là, on balance le petit lutin. Et c'est plus technique que ça en a l'air, hein, je vous le dis. Voilà, on répare notre carte. Parce qu'il peut se détériorer au fur et à mesure. On est bien, on est très très bien. Oh non. Oh, voilà, merci. J'ai eu peur qu'il vienne m'embêter un petit peu. Parfait. Attention, parce que quand c'est gris, c'est que ça nous fait ralentir, mais là on a quand même pris une belle avance. Ouais. Disons ça rapidement. On l'a touché. Hein. Hop, on met le lutin à la sortie. Et voilà. C'est la win. On est à la croisière. Ils ont appelé comme ça le circuit. J'espère. Oh là. C'est vrai que le kart de Donut, enfin. Leonardo, il est énorme. Voilà, je les ai eus. Vous voyez là, genre on est quand même en vitesse normale et ça va quand même vite. Je pense que ça doit être en super rapide, moi j'aime pas trop. Hein. C'est comme genre les 200 cc dans Mario Kart, etc. Quand ça va trop vite, je trouve que il n'y a plus vraiment d'intérêt. D'accord, quand on veut utiliser le pouvoir et qu'on n'a pas de pouvoir, ça nous fait un petit bruit chelou. Je sais pas si on entendra bien la vidéo, que bah, je baisserai. Attention au courant. Alors. Celui-là. Ah mais c'est bon. Arrêtez s'il vous plaît. Oui, vous avez de belles mains. Oui, c'est vrai. Mais à un moment, il faut être gentil. Ah, j'ai essayé de l'appeler pour poser mon objet et après avoir le nouveau. Malheureusement, j'ai pas été assez rapide. Ah, j'aime bien celui-là. Ça va hyper vite par rapport aux autres pour l'instant. On a une belle avance. Je sais comment ça se passe, hein. Un objet, deux objets. On peut vite arriver deuxième, troisième. Après ça,
l'IA elle est assez gentille, après elle se bat entre elles. Vous connaissez l'effet Mario Kart, c'est-à-dire quand t'es premier, bah, tu prends de l'avance. Par contre, quand t'es dans entre la troisième place et la sixième place, ah, ça c'est beaucoup la guerre. Le petit Lulu, le petit Tatin. Ah, j'ai vu qu'il y avait le raccourci. En fait, tu prends le raccourci quand tu... Ok. Ah bah, la preuve, il l'a pris. Il aurait jamais dû. Eh oui. Quelle idée. Viens à toi aussi, là. Alors, je vais prendre ce virage. Non, non, non. Ça va. Heureusement qu'on est au tour numéro 2. Parce que sinon, ça aurait été vachement compliqué. Vachement compliqué. Je pense qu'on l'aurait doublé juste sur la fin. Ça aurait été encore... Ça aurait été épique. Voilà. Je pense que pour le prochain, on va prendre une demoiselle. Je pense que je vais prendre Lucie. J'essaie à chaque fois de varier un petit peu les licences. Et pour le dernier niveau... Enfin, pour l'épisode 3, on va prendre Lucie. Et après, on prendra un animal. On va peut-être prendre Michien. Ou Rocco, par exemple. Enfin, l'un des deux. Et après, on prendra le maître de l'air. Hang. Ça, c'est bien. Alors. Voilà, j'ai bourré. Attention, on prend le raccourci. Et voilà. On l'a repris au moins une fois. C'est vrai qu'ils sont pas bien compliqués à prendre. Ah, vas-y, non. Ouh. Ok. Je crois que je peux en poser autant. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Je comprends pas ce que je suis en train de faire. Mais... en tout cas, je vais super vite. Alors là, j'ai pas compris ce que c'était cette invasion de nains. J'ai pris une avance de fou. Donc, merci. Je sais pas ce qui s'est passé. On découvre des choses ensemble. Merci aux nains. Ça fait toujours plaisir. Voici la deuxième coupe, et c'est bien entendu la fin du deuxième épisode. On se retrouve très 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 vite pour l'épisode numéro 3 et la troisième coupe. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!